J'arrive. Oh, ne bougez pas. Tu as fait toutes les épreuves là. Oui. Et tu fais déjà une pratique sportive. Tu fais du football. Ça a arrêté cette année. Alors tu vas peut-être faire, tu vas faire de l'athlétisme. Ça t'intéresse. Ouais, bah écoute, c'est bien. Alors tu vas faire où cet athlétisme? Nice, là. Le parc des sports, là. Bon, et bah écoute, félicitations. Bonjour, tu as quel âge? 9. 9 ans, tu t'appelles comment? Habite. Et t'habites dans le quartier des Moulins, là? Ouais. Dans la planète des arts. Bon. Et tu fais... Ça te plaît, là, de faire ce que tu es en train de faire? Ouais, ça va. Et tu voudrais... Qu'est-ce que tu fais quand tu vas pas à l'école? Tu as des activités? Non, je joue au foot. Tu joues au foot? Ouais. C'est ça qui te plaît le plus? Ouais. L'athlétisme? Ou l'athlétisme? Non. Non, c'est surtout le foot? Ouais. Mais si, t'as l'habitude? Au foot encore, je pas en plein de l'eau. Tu joues au foot aussi? Ouais. Et tu préfères le foot ou la course à pied? Le foot. Tu préfères le foot alors? Et toi? J'ai 14 ans. 14 ans? Ouais. Et tu vas au collège, là, au Moulin? Ouais, je reviens. T'es dans quelle classe? Je suis en 4e B. En 4e B. Mais tu, est-ce que tu fais du sport à côté? Ouais, je fais du foot à l'OGC Nice. Tu fais du foot à l'OGC Nice? Ouais. Et t'espères entrer au centre de formation? Non, pour tout cas pas à Nice. C'est trop nul à Nice? Non, les pros, ça va, mais pas à Nice, c'est tout ça. Mais on t'a déjà sollicité? Ouais, beaucoup de fois. Beaucoup de fois, on t'a demandé de venir? Ouais. Et l'athlétisme? Ben, ça va, je passe sur le corps, 4-6. Mais t'aimes ça? Ouais, c'est bien. Et t'en ferais un petit... ça te plairait d'en faire? Ouais. Et là, à côté, il y a un grand stade, là, tu pourrais en faire. Je vais choisir le foot, mais pourquoi? Parce que c'est mieux. C'est uniquement ça ou c'est parce que après on peut devenir professionnel? J'aime bien le foot, j'aime bien marquer des buts. J'aime bien marquer des buts et t'aimes pas courir? Ouais, j'aime courir parce que le foot, on court. Mais tu pourrais encore un peu faire un peu d'athlétisme de temps en temps, non? Bon, eh bien écoute, bonne chance, hein, et à bientôt. Tout d'abord, qu'est-ce que vous pensez du concept de cette organisation dans le cadre du quartier? Écoutez, moi je trouve que c'est très intéressant parce que bien que le parc des sports Charlemagne soit relativement près, les enfants ont des difficultés à traverser le carrefour. Donc le fait de se mettre en plein centre du quartier, je crois que la preuve en est là puisqu'il y a beaucoup d'enfants qui participent. Donc vous ne seriez pas opposé à ce que l'on vous contacte et que l'on essaye par exemple l'année prochaine de faire ce type d'animation mais dans le cadre de la semaine scolaire?
Non, moi je ne suis pas du tout opposé. Je pense qu'il faut rencontrer les professeurs d'éducation physique. L'équipe de professeurs d'éducation physique est particulièrement dynamique pour lui faire une proposition qui serait tout à fait possible. Qui pourrait prendre place donc dans le plan, de, le projet de, d'établissement. Mais vous m'entendez, tout à fait. Constat, c'est que bon, les enfants, là, on les sollicite, mais comment donner une suite à cette sensibilisation à la pratique ? Alors, la plus grande difficulté, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est de franchir le carrefour. Et le passage du quartier au parc des sports Charlemagne, il faut qu'on trouve une solution. Et il me semble, parce que moi je viens régulièrement dans le quartier, je vois des enfants qui s'amusent, qui courent, qui jouent avec des ballons crevés. Donc il me semble qu'il faut qu'on arrive à trouver une solution pour avoir un animateur, un éducateur qui est là, par exemple à 9h du matin le samedi, ou à 14h le samedi, qui rassemble son petit groupe d'élèves et qui l'emmène, ou d'enfants, hein, et qui l'emmène au parc des sports Charlemagne. Et peut-être imaginer qu'à ce moment-là, les gamins reviennent tout seuls ou les parents viennent les chercher. Mais tant qu'on n'aura pas véritablement transformé les représentations des enfants sur le fait que le parc des sports Charlemagne est juste là, on n'y arrivera pas. Donc pour moi, la solution, c'est l'éducateur ou l'animateur ou l'entraîneur ici qui parle avec son groupe d'enfants au stade. Donc le maillon essentiel, c'est le maillon humain. C'est le maillon humain sur place. Sur place. Parce que vous pouvez leur faire tous les tracts que vous voulez, tous les documents que vous voulez. Si les papas et les mamans aux fenêtres voient que l'éducateur est là, qui part avec son petit groupe au stade, la partie est gagnée. Eh bien, je vous remercie.